Un autre thème de recherche qu'on avait avec Jacques Ravatin et d'autres chercheurs du groupe, c'était d'objectiver un certain nombre de, objectiver ou vérifier un certain nombre de choses tournant autour de la Kabbale, au sens hébraïque. Et on s'est rendu compte effectivement que... Il y a d'autres sens que le sens hébraïque de la Kabbale. Il y a le sens aussi alchimique, tel que Fulcanelli nous l'a laissé avec les travaux de Grasset d'Orsay, où on est plus dans une vision langue des oiseaux, langue mère grecque. Et là, ça rejoint une approche qui est plutôt celle de Louis Boutard sur la langue première de l'humanité. Tandis que l'approche hébraïque. Le grec, si vous voulez, est plus biologique dans sa description des phénomènes, tandis que l'approche hébraïque est plutôt ontologique, métaphysique en quelque sorte. Mmh. Et effectivement, dans l'approche hébraïque, on a affaire à une présentation de graphes qui sont en fait des dynamigrammes. Alors qu'est-ce qu'un dynamigramme ? De graphes, c'est-à-dire de schémas, de dessins, de diagrammes. Voilà, le dessin de base, de E, de vav, de iod, des différentes lettres, guillemets, d'alettes, dessinées, etc. Donc. Les lettres dessinées sont en fait uniquement la représentation simplifiée de la forme acoustique de l'onde quand la lettre est prononcée correctement. D'où dynamigramme. On n'a pas affaire en fait à un signe indépendant de son signifiant ou de son signifié. On a affaire à un totem, à quelque chose qui porte à la fois sens au niveau de la graphie, au niveau du son et au niveau de la relation entre la graphie et le son. Et là, comment ça a pu être mis en évidence cette correspondance entre guillemets entre, on va dire, l'hologramme 3D sonore correspondant, enfin la forme acoustique de la prononciation d'une lettre hébraïque et le fait de se dire, ah mais quand je regarde le dessin en 2D, quand je regarde le diagramme, c'est la même forme mais qui est sur une surface plane. Alors ça, c'est les travaux de Carlos Suarez et d'Alfred Tomatis. Ils avaient joint leurs forces dans un livre qui est assez rare à trouver, mais qu'on trouvera encore un petit peu en fouillant, qui s'appelle « Les spectrogrammes de l'alphabet hébraïque » de Carlos Suarez. Et vous avez des photos de l'époque, avec les appareils Tomatis, etc., où vous voyez les formes d'ondes des lettres telles qu'elles étaient prononcées par Carlo. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, puisque n'importe quel ordinateur équipé d'un micro avec des logiciels comme SpectraSound ou d'autres, permet de mettre en image exactement ce qu'avant on ne pouvait faire que dans des laboratoires spécialisés du son.